Jean-Louis, Michel Jean, Hélène Jean, Michaud, Jean-Maud,
dis-lui à Jésus, car c'est toi seul qui dois relever le retour. Éternel, notre mon Père Céleste, notre Dieu, vivant dans le ciel et sur la terre, dans nos cœurs, Seigneur, toi qui résides, Seigneur, au sein des nations, toi qui habites dans ce temps, toi qui toujours fais acte de présence quand ton peuple en a besoin. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, pour te glorifier. Parce que nous sommes rassasiés de ce qui est fait. Nous savons pertinemment, Seigneur, que tu es là. Tu nous aimes et tu fais les provisions qui nous sont nécessaires. Bénis cette assemblée, Seigneur, réunie en ce septembre, parce que le savoir aller. Ils n'ont personne, Seigneur, qui s'adresser. Car toi seul es le Dieu vivant. Toi seul es le Dieu de la toute-puissance. Il n'y a aucune chose, aucune créature, aucune puissance, Seigneur, qui puisse te porter à nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la semaine écoulée, pour cette matinée bénie, pour ce moment d'adoration, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. L'Assemblée, Seigneur, a connu différents moments, des moments de joie, des moments de célébrité, et aussi des moments de malheur, Seigneur. Nous ne présentons pas, Seigneur, par les malades, Seigneur. Tel que Seigneur le frère Valentin, la sœur Marie a dit là, c'est le Seigneur, le frère Ducas, c'est l'eau, le frère Jean Paulinis, le frère Jean Télélus, la sœur de Wolstogar, la sœur Anne Osias, la sœur Monique Jean-Pierre, Seigneur, la sœur Janine Belizère, la sœur Raflore Chassin, James Mayer, sœur Odena, Marcel Lambrun, sœur Sonia, Jean-Louis, et j'en passe. Seigneur, oui, nous adressons cette prière à toi, Seigneur, parce que stable de cette église, Seigneur, a besoin de ta présence, de ton intervention. Nous connaissons une église, Seigneur, et nous savons comment nous sortir de la Seigneur. Mais nos yeux sont fixés sur toi parce que tu n'as pas de vie, Seigneur. Et Seigneur, au moment opportun, tu fais acte l'apparition, tu fais acte l'intervention, Seigneur. Et là, Seigneur, le monde entier, Seigneur, les membres de cette communauté, Seigneur, et tous les autres églises, Seigneur, sauvent, Seigneur, que ce Dieu qui vit dans cette église, Seigneur, existe et il est vrai, Seigneur. Et c'est seulement toi qui peux seulement garantir à cette église, Seigneur, cette liberté. Que le Seigneur peut bénir les différents membres, Seigneur, ceux qui sont présents ou absents, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu sais qu'ils te cherchent. Tu sais seulement, Seigneur, certaines fois, ils font face, Seigneur, à certaines difficultés. Bénis, Seigneur, la fin de cette journée. Bénis cette nation où nous vivons, Seigneur, les États-Unis d'Amérique, notre pays Haïti, Seigneur. Israël, Seigneur, est un autre pays, Seigneur, qui connaît ce moment difficile, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de diriger, Seigneur, d'inviter, Seigneur, à les dirigeants, Seigneur, à suivre ta loi, à reconnaître, Seigneur, que toi seul es Dieu, Seigneur, toi seul dans les directives, Seigneur. Et si nous parlons à toi, Seigneur, de nous sortir en parlant, Seigneur. Bénis chaque jour, Seigneur, que tu nous donnes. Bénis, Seigneur, aussi, Seigneur, le ministère de cette Église, particulièrement le ministère, Seigneur, l'évangélisation. Il y a tant de gens, Seigneur, qui périssent parce qu'ils sont ignorants de ta loi. Ils sont ignorants que tu puisses leur accorder, Seigneur, ce qu'ils ont tant besoin, Seigneur. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour cette église. Bénis, Seigneur, les familles. Bénis les enfants, les membres de cette jeunesse, Seigneur, qui se font face, Seigneur, à beaucoup d'influence, Seigneur, à ce que nous avons.
sont affaiblis. Ils n'ont pas assez de puissance, Seigneur, pour pouvoir résister aux œuvres, Seigneur, maléfiques du malin. Bénis-nous, Seigneur. Bénis le reste, Seigneur, de ce service. Bénis le prédicateur du jour, Seigneur. Nous te remercions aussi pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Déjà, Seigneur, pour ce service. Nous étions venus, Seigneur. Et nous avions la garantie, Seigneur, que tu vas nous parler, Seigneur. Et nous attendons, Seigneur, ta présence. Nous attendons ta parole. Nous attendons ton message. Oui, Seigneur, tu parleras. Tu parleras, Seigneur, au travers de ton serviteur. Tu diras ce qu'il y a à dire, Seigneur, à nous autres. Et que comme ça, Seigneur, nous n'allons pas repartir les mêmes vies. Si te prions, ce n'est pas parce que nous sommes les mêmes vies, mais c'est au nom et par les mêmes définis de ton Fils Jésus-Christ. Par lui seul soit gloire. Lui qui vit au ciel et le ciel. Oui, tout à l'heure. Et ensuite, nous allons
1 Thessaloniciens, Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Et dénommez ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui, donc, qui rejette dans ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Pour l'église à l'église dans 15 minutes encore pour faire une petite fois de dimanche.
là pour faire l'école du dimanche, pour faire des études ensemble avec nous. Comme vous avez dit dans le dimanche passé, nous voulons 8000 premières églises. Nous voulons faire des études ensemble avec nous. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Que tu aies 50 ans, 40 ans dans l'évangile, nous avons manqué. C'est ça que fait dans l'évangile. Nous parlons un petit peu de sanctification. Nous voyons la sanctification de tout ça que nous avons dit là. Nous voyons que la sanctification est une œuvre progressive. C'est une œuvre progressive. Et nous disons progressive, nous sortons en bas, pas monter. C'est un processus qui est lié à la sanctification. C'est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend plus libres à l'égard du péché. Tout autant va marcher dans la sanctification, c'est libérer la libérer au plus de péché. C'est écarter la pécade au plus non, de péché. Et puis en plus, qui ça veut encore, c'est rapprocher la babouche au plus près de Jésus-Christ. La babouche au plus près de Jésus-Christ, et puis pour vivre plus semblable avec Jésus-Christ dans votre vie quotidienne. Dans le fils à quoi même. Ma parole qui est dans même l'habitation sur la babouche au plus près de Jésus. Chaque jour dans la vie. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas arrêter de jouer dans l'évangile. C'est ça la vie chrétienne. Rapproche au plus près pour sembler plus avec Jésus-Christ. Nous connaissons la justification, c'est un statut légal de Dieu. C'est un bagage qui vient pour une seule fois. Jésus-Christ a rendu Dieu, c'est l'éternel de la rue, c'est fini. Mais nous voyons que sanctification, c'est une condition intérieure de Dieu. C'est une condition intérieure qui poursuit tout au long de votre vie chrétienne. Tout au long, tout autant que vous vivez, vous devez marcher dans la sanctification. La sanctification n'est jamais achevée dans cette vie. Vis à la peine là, vous ne pouvez pas achever la sanctification. Parce que ça qui fait ça, ou a toujours péché. Malgré le péché, on doit toujours péché. Donc la sanctification est achevée à la mort. C'est là où on va achever la sanctification pour l'amour. Et au retour du Seigneur, pour corps. Au retour du Seigneur, pour corps. Donc la sanctification, c'est un bagage de la capacité. Tout autant qu'on va vivre, parce que le péché ne disparaît pas. Péché va disparaître dans la boue, malgré le converti, malgré ce que tu es. Parce que l'enveloppe, ça, c'est une enveloppe de péché péché. Ou a toujours péché. Il ne va disparaître jamais complètement dans nos cœurs, bien que nous soyons chrétiens. C'est ça fait 1 Jean 1, verset 8, qui ça dit non. Si nous disons, d'ailleurs, attendez, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité va nous. Donc c'est ça qui fait que nous avons toujours péché, donc c'est ça qui fait que tout le temps nous sommes toujours obligés à. Ou toujours à prier, ou toujours à marcher dans la sanctification. Sanctification, donc c'est chaque fois péché, ou reconnaître, ou on fait ces péchés à. Maintenant, il y a des après, mais ce n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas avec pasteur, à Dieu. Ce n'est pas avec le Paul, à Dieu. Pour qu'on fasse des péchés. Et les ordres arrivent. Donc, notre sanctification ne sera jamais achevée dans cette vie, mais une fois que nous mourons et que nous sommes avec le Seigneur, elle est terminée dans le sens parce que nos âmes sont alors libérées, immédiatement ou inondées du péché et rendues parfaites. Hébreux 12, verset 23, qui ça dit, des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et Apocalypse 21, verset 27, dit que rien d'impur ne pourra pénétrer dans la présence de Dieu et la cité céleste. Donc, si vous avez besoin de laver
fez um porteiro sem honrar-me. Mas Jesus entrou.